موضوع متعلق بمواقع خالدة يندرج ضمن الموروث الثقافي العالمي الإنساني، والمملكة المغربية لديها العديد من المكتسبات الدستورية فيما يتعلق بحماية وتثمين هذا الموروث الثقافي المادي واللامادي على المستوى الوطني، وكذلك انخرطت في العديد من الاتفاقيات الدولية للحفاظ على هذا التراث الثقافي العالمي الإنساني الذي نعتبره جميعا إنسانيا. وبالطبع اليوم كذلك هناك العديد من المقاربات فيما يتعلق بتثمين وحماية هذا الموروث. Est liée à l'exposition que l'on peut voir actuellement à Rabat, à Bourg-et-Grègue, qui s'appelle Sites éternels de Bamiyan à Palmyre, et qui évoque ce patrimoine de l'humanité qui peut si facilement être en danger, notamment actuellement au Proche-Orient avec les guerres qui s'y déroulent. Et l'enjeu de cette journée et de cette exposition, c'est de montrer combien il est important de protéger ce patrimoine, mais aussi de l'étudier, de construire une mémoire en cas de destruction. Et nous aurons donc l'occasion, à travers les différentes interventions, d'illustrer aussi ce qu'on peut voir dans l'exposition sur ces méthodes d'études et de protection du patrimoine. C'est le président de la CAR. Excellences, mesdames et messieurs. Qu'il me soit permis de vous dire combien je suis très honorée. Très honorée de vous accueillir à la Bibliothèque nationale dans un espace culturel aussi prestigieux et chargé de symboles pour cet événement en marge de l'exposition Site éternel de Bamiyan à Palmyre. Où le Maroc et la France rendent hommage au patrimoine universel. Cette exposition est organisée par la direction des archives royales sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et M. Emmanuel Macron, président de la République française, de concert avec le Musée du Louvre et la Réunion des musées nationaux, avec le soutien de يهدف هذا اليوم الدراسي كما يهدف المعرض إلى إعادة تفكير التراث المغربي، أي كتراث محلي وكتراث محلي وكجزء لا يتجزأ من تراث البشرية جمعاء. وهو يستجيب إلى السياسة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى حفظ هذا التراث وإلى تفعيله دون انغلاق أو إقصاء مع الاعتراف بالاختلاف. وكما يقدم دعوة أيضا إلى الأركيولوجيين للاهتمام بالأبحاث الأركيولوجية وحفظ اللقا، وكذلك للتأليف وللتعريف بها. ثم يسأل أيضا الأركيولوجيين عن الأشواط التي قطعها البحث أو التنقيب الأركيولوجي في المغرب والصعوبات التي تلقاها وأفاق هذا البحث. De cette journée de réflexion sur le patrimoine marocain dans le patrimoine mondial. C'est une journée qui a un contrepoint très important et utile à la très belle exposition du Louvre qui est accueillie actuellement à Rabat grâce aux archives royales, l'exposition sur les sites éternels de Bamiyan à Palmyre. Cela nous permet de parler notamment de toute la coopération que nous avons avec le Maroc dans le domaine archéologique, puisque nous soutenons plusieurs grands sites archéologiques au Maroc et nous cherchons à développer avec les autorités marocaines tout ce qui peut permettre la préservation et l'exploitation du très beau patrimoine que le Maroc, dont le Maroc dispose. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.